Bonjour, je m'appelle Manny et aujourd'hui nous allons traiter la construction des phrases longues en anglais. Hi, my name is Manny and today we will be discussing how to make long sentences in English. Savez-vous que c'est vraiment facile de faire plusieurs phrases dans une autre langue sans avoir trop de casser la tête? En anglais, voyons cette phrase. I want to call my mom this evening, but my phone is in my red bag, and my red bag is in Sarah's car, and Sarah is not coming to school today. Can I use your phone, please? En français, c'est tout simplement « Je veux appeler ma mère ce soir, mais mon portable est dans mon sac rouge, et mon sac rouge est dans la voiture de Sarah, et Sarah ne vient pas à l'école aujourd'hui. Est-ce que je peux utiliser ton portable, s'il te plaît? » Regardez bien cette phrase et soyez libre de faire une comparaison des deux phrases dans les deux langues. Dans cette phrase, nous avons quelques petites phrases liées par des conjonctions. Connaissez-vous au moins cinq conjonctions en anglais? And, but, because, so, even if, or, after, before. Dans la phrase, nous avons aussi la conjugaison et le pronom personnel, les articles, l'adjectif, les adjectifs possessifs, des noms et des verbes. Et nous avons aussi une question. Alors, imaginons que quelqu'un dit « Elle a vendu une télévision ». C'est terrible, ça ne se dit pas. De même, en anglais, il faut que le verbe soit conjugué si vous voulez le lire à un sujet. Une petite astuce. En anglais, pour le verbe régulier, seule la forme de la troisième personne du singulier change. Et c'est simplement en ajoutant « s » ou, à l'oral, en ajoutant le son « s » ou « z ». Ça peut varier. Voyons quelques verbes ensemble. To see, voir. I see, you see, he sees, she sees, it sees, we see, you see, they see. To understand, comprendre. I understand. You understand. He understands. She understands. It understands. We understand. You understand. They understand. To go. Aller. I go. You go. He goes. She goes. It goes. We go. You go, they go. À vous de jouer. Je veux. How do you say je veux in English? Comment dit-on je veux en anglais? La réponse est I want. C'est le verbe to want en anglais. The French translation is the verb vouloir. Vouloir. To want. La conjugaison du verbe vouloir. Je veux. I want. Tu veux. You want. Il veut. He wants. Elle veut. She wants. On veut. We or someone or people or they want. Nous voulons. We want. Vous voulez. He want. Ils veulent. They want. Elles veulent. They want. Comprendre une table de conjugaison. Les pronoms remplacent les noms, les objets, les endroits, les pays.
Si vous remplacez je, tu, vous par des noms, ils prennent le statut de la troisième personne. Et c'est la même chose en anglais comme en français. Une petite illustration, si je m'appelle Anna, par exemple, et je veux parler de moi-même en utilisant mon nom comme le sujet de la phrase, je sacrifie mon doigt à la première personne et je deviens quelqu'un d'autre, c'est-à-dire la troisième personne. Alors je ne dirais pas « ne pleure pas, Anna, celui-là », non, mais je dirais « ne pleure pas, Anna est là », même si c'est moi qui suis Anna. On va continuer avec la compréhension d'une table de conjugaison. Si vous voyez une table de conjugaison, vous feriez dans votre tête une division de la table en deux parties. Et la première partie fait référence aux formes singulières. La deuxième moitié, c'est au pluriel. Et maintenant, je vais vous montrer comment ça marche. Je, c'est pour moi, comme une personne, seule, je me représente. Et nous, c'est quand je fais partie d'un groupe. Alors, c'est nous. Ensemble. Alors, c'est le pluriel de je. Je veux, tu veux, il veut, elle veut, on veut. Singulière. La deuxième partie, c'est pluriel. Et pour les débutants, vous ferez ce calcul dans votre tête pour aider votre conjugaison. Encore au sujet de la troisième personne et l'ajout de S. Il veut. He wants. It wants. Elle veut. She wants. It wants. Luke wants a bike. Mary wants a dog. The dog wants a bone. On va essayer cela avec d'autres verbes. He makes pies. She thinks she is right. He knows everyone. The bird sings. The cow moos. Clara speaks. Simone imagines. It does nothing. Connaissez-vous ces verbes? To have, to be, can, will, must, should, would, could. Avec ces verbes, n'ajoutez pas le S au troisième personne du singulier. Have et be ont leur forme spéciale de conjugaison. Les S ne changent pas, car ils agissent souvent comme des auxiliaires. Par exemple, she can, he will, she must, he should, it would, she could. Pour ajouter un autre verbe, on utilise la préposition « to », sauf pour les verbes irréguliers. Je veux danser. On constate ici que le verbe « vouloir » est suivi directement par le verbe de l'action désirée en français. Mais en anglais, on a « to », une préposition entre « want » et « dance ». Je veux commencer « I want to start ». C'est la même chose. Je veux parler l'anglais « I want to speak English ». Je veux appeler ma mère. I want to call my mom. Nous voulons voyager en Italie. We want to travel to Italy. Ella veut apprendre l'espagnol. Ella wants to learn Spanish. To est une préposition qui s'utilise toujours en anglais. Cela signifie aussi la préposition à en français. Mais pour le moment, sachant qu'elle lie les verbes aux verbes réguliers dans une phrase de plus d'un verbe. Je veux aller à la banque. I want to go to the bank. Du matin au soir. From morning till night. Le feu est passé au rouge. The light changed to red. Avec tout ce qu'on a appris jusqu'à ce point, c'est à vous de parler. Savez-vous comment on traduit ces phrases en anglais? Je veux parler au patron. Thomas veut apprendre l'anglais. Marie et moi, nous voulons chanter.
Révision de la première phrase. Je veux appeler ma mère ce soir, mais mon portable est dans mon sac rouge et mon sac rouge est dans la voiture de Sarah et Sarah ne vient pas à l'école aujourd'hui. Est-ce que je peux utiliser ton portable, s'il te plaît? Piège de la traduction mot à mot. Pour dire « je veux appeler ma mère » en anglais, n'oubliez pas d'ajouter « to » avant l'autre verbe « appeler » ou « call » en anglais. Donc, c'est « I want to call my mom » et on ne dit pas « I want to call my mom » sans le « to ». Essayons avec d'autres verbes. Je veux aller au marché. I want to go to the market. Nous voulons promener les chiens. We want to walk the dogs. Luke et Anna veulent acheter une maison. Luke and Anna want to buy a house. Sarah veut appeler sa mère. Sarah wants to call her mom. Mais si vous voulez quelque chose, ajoutez directement la chose avec l'article si nécessaire. I want my bag. I want a massage. I want the details. I want a new car. I want peace. We want love. They want Sarah. John wants cookies. La négation. En anglais, une des façons d'exprimer la négation, c'est d'ajouter « de » dans ses formes conjuguées, dans le temps nécessaire, et d'ajouter « not ». Sans cela, la phrase reste vraiment dans l'affirmatif. « Don't », c'est une contraction de « do » plus « not ».« Doesn't », c'est la contraction de « does » plus « not ». Pour les verbes modaux ou auxiliaires, il suffit d'ajouter « not » après le verbe. Par exemple, « cannot »,« will not »,« should not ». Conjugaison du verbe « do ». « I do », »,« you do », »,« he does », »,« John does », »,« she does », »,« Mary does », »,« it does », »,« we do », »,« you do », »,« they do ». Ce verbe est très important. Je ferai une vidéo pour aborder son utilisation. Maintenant, nous allons essayer de changer ces phrases ou phrases négatives. I want my bag. I don't want my bag. I want a massage. I don't want a massage. I want the details. I don't want the details. I want a new car. I don't want a new car. I want peace. I don't want peace. We want love. We don't want love. They want Sarah. They don't want Sarah. John wants cookies. John doesn't want cookies. Sarah is coming to school. Sarah vient à l'école. Sarah ne vient pas à l'école. Sarah is not coming to school. I want to call my mom. Je veux appeler ma mère. Je ne veux pas appeler ma mère. I don't want to call my mom. Maintenant, ajoutons un petit mot au milieu de deux phrases. I want to call my mom, but Luke wants to walk the dog. C'est tout simplement, je veux appeler ma mère, mais Luke veut promener le chien. À vous. Essayez de traduire ces phrases suivantes dans le champ de commentaires. Félicitations! Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire aussi dans le champ de commentaires. Merci. Conseil du jour. Comme apprenant d'une nouvelle langue, il faut toujours avoir un dictionnaire où vous pouvez utiliser un site de traduction. Notez de nouveaux mots dans cette vidéo par exemple, puis cherchez leur traduction. Notez surtout les verbes. Quand il s'agit des verbes, on ne peut jamais en avoir assez.
Merci beaucoup. J'espère que vous avez appris quelque chose. S'il vous plaît, pardonnez ma voix. J'ai travaillé pendant toute la nuit et j'ai fait l'enregistrement sonore tout ce matin. Mais merci quand même et à bientôt.